Bonsoir tout le monde, nous sommes Télévision Nationale d'Haïti. Bienvenue dans rendez-vous. Torchella's Family. Nous avons commencé avec Wilner Polidor qui a porté pour nous nouvelles météorologiques. Merci Pasco, branché Télévision Nationale d'Haïti dans le SAR pour prévision météorologique. Là, on a commencé à aller sous région Caraïbes avec Société Atlantique. Là. Nous avons Marzella qui est plus ou moins sec et stable sous région Caraïbes, dont Haïti qui a vu un beau temps. Pour aujourd'hui, on a bien un temps qui est ensoleillé sous majorité département, avec vent qui a venté aussi sous plusieurs départements par rapport avec Mazdiasa qui est plus ou moins sec et stable sous le pays d'Haïti. Mais en soirée, au cours de nuit, il y a une faible possibilité, bien dit, une faible possibilité pour gagner quelques averses isolées avec quelques coups d'orage, surtout sous tête monio. Elle nous prend massif du nord, elle nous prend chaîne des Mateux, massif de la Selle et massif de la Haute, capable de gagner quelques convections sous tête monio, capable de gagner quelques activités la pluie en soirée au cours de nuit. Non, mais c'est vraiment des averses isolées et très légères sous zone Sayo. Pour capitale avec zone qui environne, nous avons capitale aussi cap juif de beau temps par rapport à Mazela qui est plus ou moins sec et stable. Nous avons un temps qui est ensoleillé avec vent qui souffle sous capitale avec zone qui environne lieu et une température qui a monté jusqu'à 36 degrés Celsius. Je dis à la fait chaud sous capitale avec zone qui environne lieu et la descente en mi-temps c'est 25 degrés. Nous demandons mon lieu pour être capable non seulement consommer de l'eau et puis Torchella's Family. Capable aussi consommer un peu de l'eau par rapport avec chaleur qui recommence à augmenter sous capitale avec zone qui environne lieu. Mais toujours gagner possibilité pour gagner quelques averses isolées. C'est en soirée au cours de nuit, dans sous tête monio. Si tout sous relief mon lancelle, nous avons gagné quelques gouttes, mais qui ne peuvent pas gagner les plaines. Pour la mer, la mer a été agitée sous non seulement côte nord et côte sud pays d'Haïti, par rapport avec vagues qui toujours très haut, mais pour golfe de la Gonave, pas gagné trop souci. Et nous avons pas d'astronomique, nous sommes à la coucher jeudi à 6h40 et la levé de matin à 6h39. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Président de la République, là, Jovenel Moïse, il prend la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies matin jeudi. C'était occasion pour le président de la République, là, Jovenel Moïse, mettre accent sur plusieurs points dans divers domaines et qui paraissent importants pour Haïti. Chef l'État a attiré l'attention autoritaire sur sous série d'engagements qui te prend pour aider les pays parmi Haïti à faire face avec lutte contre le réchauffement climatique. Il souligne Haïti pas produit gaz pendant le séjour dans le pays qui subit plus ses conséquences gaz à effet de serre. N'a coûté chef l'État, Jovenel Moïse. L'intensification de la lutte contre le réchauffement climatique, qui constitue l'une des menaces les plus pesantes pour l'humanité, se doit de figurer parmi les grandes urgences de la communauté internationale. L'accord de Paris sur le climat de 2016 a été, à cet égard, un jalon important. Et il convient que tout soit mis en œuvre pour que les obligations internationales et les engagements qui en découlent soient respectés. On le sait bien. Les régimes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, ainsi que les mesures de précaution tendant à atténuer les dégâts, sont extrêmement coûteux. La mitigation des risques naturels, une des composantes d'une stratégie de développement durable, en tant qu'investissement fait aujourd'hui en prévision de phénomènes qui auront lieu demain, s'avère indispensable. Or, à ce jour, les moyens financiers sont nettement insuffisants pour permettre une réponse appropriée en phase avec l'ampleur des défis posés. La mobilisation de nouvelles ressources pour le redressement climatique revêt un caractère de priorité absolue. Force est de constater
les pays les plus vulnérables, notamment les petits pays insulaires, surtout la Caraïbe, dont la République d'Haïti, émettent peu de gaz à effet de serre alors qu'ils subissent la majeure partie des dégâts causés par des ouragans devenus plus fréquents et plus violents. Les promesses faites au cours du sommet One Planet de l'année dernière à Paris pour permettre à ces pays d'adapter leur environnement et de mitiger les effets des aftes du changement climatique devront se matérialiser. De l'autre côté, chef l'État rencontré hier mercredi 26 septembre, non, directrice Fonds monétaire international là, Christine Lagarde, dans même occasion 73e assemblée ordinaire et assemblée générale Nations Unies pour te parler sous état avancement staff monitor de programme là, MSP SMP qui était adopté entre Haïti avec FMI en février. Chef l'État a été soulevé ainsi dans 6 à 8 juillet après te gagné ajustement prix gaz. Il insistait sur nécessité pour mettre campé en Haïti un programme social urgence qui répond à un besoin population haïtienne, non, c'est tout pour ça qui est plus vulnérable. Plus loin, président Jovenel Moïse notait et importance pour FMI avec un partenaire technique Lio et puis financer Haïti améliorer programme soutien développement côté l'État doit venir plus efficace et plus bien aligné sous 7 axes prioritaires administration. L'autre point nous porter pour vous dans le journal Media, Premier ministre Jean-Henri Séan installé Jimmy Albert comme directeur cabinet mercredi 26 septembre. Chef gouvernement dit li quoi dans capacité directeur cabinet pour le faire travail. Le reportage à Marguerite Auguste et Wilson Idori. Cérémonie installation a été occasion pour Premier ministre Jean-Henri Séan expliquer raison qui fait le choisir Jimmy Albert comme chef cabinet. Chef gouvernement dit qu'il déjà vive une partie dans le travail Jimmy Albert dans les affaires politiques, ce qui permet de découvrir capacité dans plusieurs dimensions. Premier ministre l'a rappelé travail captain chef cabinet a pendant l'y encourager pour entretenir une relation serrée avec secrétariat général là, secrétariat privé et puis l'autre direction yo qui faciliter yo bail un résultat plus efficace. Il faudra entre autres tâches diriger mon cabinet, entretenir des rapports étroits avec le secrétariat général de la primature et mon secrétariat privé, faire le pont avec les services pertinents de la présidence, vous mettre à l'écoute et en support au ministre, être la courroie de transmission entre mon cabinet et les parlementaires et les autres acteurs organisés de la société civile. C'est une œuvre titanesque à laquelle je vous convie, mais je le fais en toute confiance, le cœur ouvert, avec la plus grande sérénité, car je vous en sais capable. Je compte sur vos grandes capacités pour m'aider à assurer la gestion de la barque gouvernementale. Vous pouvez aussi compter sur ma disponibilité et ma volonté de vous mettre en parfait état d'accomplir cette noble mission. Nouveau chef cabinet a promis pour le mettre dans le niveau de travail Captain Lian. Les sollicités supportent tout l'autre technicien pour y faire atterrir déclaration politique générale Premier ministre là. Et dans l'exercice de mes responsabilités de directeur du cabinet, je serai à vos côtés ferme, fidèle et loyal pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre déclaration de politique générale et la conduite de la politique de la nation. La mission est lourde, les responsabilités énormes et les défis immenses. Nul ne saurait tout faire, ni réussir seul. Je serai ouvert à l'écoute de vous tous, chers collaborateurs, pour les suggestions, les recommandations susceptibles d'assurer la réussite et qui nous permettront d'opérer les nécessaires redressements quand les pendules ne marqueront l'heure correcte dans nos tableaux de bord. L'erreur est inhérente à toute action humaine. S'ouvrir aux critiques constructives, c'est se donner les moyens de rectifier quand il y a lieu et de changer ce qui est à changer
en préservant les acquis. Chef cabinet Premier ministre là dit la prêté ouvert pour tendre tout secteur dans l'idée pour rapprocher puis plus toujours primature bon côté population. Même hier mercredi 26 septembre là, Premier ministre l'a organisé premier conseil gouvernement en primature, li renouvelé engagement pour le faire application politique générale l'IA dans intérêt population. Anne-Marguerite Auguste. Dossier enquête Petro-Caribé, coordination et gestion équipe gouvernementale là, gestion relation avec l'autre pouvoir, lutte contre corruption et contrebande, relation avec la presse, création travail, c'est quelques sujets qui étaient dans le temps des baillots. Premier ministre Jean-Henri Seyant fait connaître, conseil gouvernement, c'est un espace coordination, suivi et encadrement action gouvernementale là. Li rappelé ministre déjà gen 10 jours depuis yo nan fonction, li encouragé yo voye yon signal clair sur capacité yo gagné pour améliorer condition la vie population. Le peuple a des besoins urgents. Il y a des questions essentielles à l'ordre du jour de la nation pour lesquelles nous sommes condamnés à trouver et mettre en œuvre des réponses concrètes dans un temps record. Le peuple a pas qu'à attendre. Il va juger nous bien et bien vite. Sous base signal n'a voyé kounia sous capacité nous pour nous manier problème pays et comment nous va régler ça que pour régler tout de suite pour nous résumer j'aime l'espoir dans tête population hein. C'est job non pour le peuple la confiance travail réfléchis parler mais surtout action. Chef gouvernement a annoncé mise en place un plan principe qui chita sur 5 points qui a facilité plus cohésion dans le cabinet ministériel là et puis bien coordonner action lio. 1. La cohésion de l'équipe gouvernementale. Nous sommes l'équipe gouvernementale. Une équipe est une organisation particulière pour atteindre un ou des buts communs. 2. La gestion unitaire des relations avec les autres pouvoirs de l'État. La cohésion crée l'unité. L'unité en tout. Et en particulier, l'unité du gouvernement dans ses relations avec le Parlement et le pouvoir judiciaire. 3. La confidentialité, la discrétion et le respect du code déontologique. Face à la multiplication au foisonnement des réseaux sociaux et des risques qui en découlent, nous devons tous redoubler de vigilance pour assurer la discrétion de nos personnels et une stricte confidentialité dans la manipulation des dossiers publics. 4. Les relations avec la presse et les médias en général. Avec l'explosion des médias sociaux, la presse est encore plus qu'avant un véritable pouvoir, le quatrième pouvoir. 5. La formation. Différentes institutions, différents outils et instruments sont à notre disposition pour nous appuyer dans l'apprentissage et l'exercice de nos fonctions de ministre. Pour Premier ministre, l'événement 6 à 7 juillet montre méfiance peuple dans le dirigeant Lio. Dans ce sens, il m'a démunition pour travail pour rebâtir l'espoir dans la nation haïtienne qui pouvait ne pas attendre encore. Merci Anne-Marguerite Auguste. Contraception, toute femme doit gagner accès à cli, c'est sous thème ça. Ministère Santé publique et population nan tête collée à organisation haïtien marketing social pour la santé OMA, c'est commémoré mercredi 26 septembre nan, journée mondiale et contraception. Activité à cette occasion pour différents acteurs qui travaillent dans le domaine santé sexuelle et reproductive, association jeunes, responsables et élèves l'école, réfléchit ensemble sous question. Rachel Saint-Fort, Fresnel Toussaint, pour yon compte rendu. Permettre les gens qui ont existence, journée mondiale contraception, montrer importance, travail, sensibilisation qu'a fait pour éduquer les jeunes sur sexualité et contraception, by preuve qui a servi pour justifier l'intégration sujet sur santé sexuelle et reproductive dans le programme scolaire. C'est parmi objectif célébration journée 1 d'après initiateur. Activité ça a été occasion pour responsable organisation haïtienne marketing social pour la santé au MAS, parler sur un mouvement qui pote non jam, qui vise permettre jeunes yo gen accès à information qui fiable sous contraception et méthode yo. Je dis à c'est un jour côté que monde là a commémoré contraception donc
Habituellement en Haïti, c'est une journée qui passe presque inaperçue. Donc en partenariat avec MSPP, OMAS a décidé de faire une journée plus grande ampleur côté que nous présentons ensemble de conférences, débats sur histoire contraception, réalisation qui fait, défi qui était. Mais nous voulons surtout mettre en face sur le mouvement que nous avons, mouvement JAM. Mouvement JAM nous repose sur l'autonomisation des filles et des jeunes femmes. Dans la question fait Simone, nous connaissons que très souvent en Haïti, 3-4 jeunes filles qui abandonnent l'école ou bien abandonnent la vie, c'est parce qu'elles sont enceintes dans mauvaises conditions. 3-4 jeunes filles qui en Haïti enceintes, c'est un accident qui est lié. Projet Panouan permet à ce que mesdames soient capables de gagner le contrôle. Dans quel moment vous voulez faire Timoun, dans quelles conditions vous voulez faire Timoun et combien de Timoun vous voulez gagner. D'après le directeur Santé Famille dans le ministère de Santé Publique et Population, Dr. Reynold Grandpierre, il y a des progrès qui fait dans la question de contraception dans le pays d'Haïti. Pendant qu'il précise, il y a un peu de travail qui doit faire toujours. Indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire en moyenne qui quantité petite aux femmes qui fait dans la vie reproductive. Son bagay que en Haïti nous t'es sorti dans 4.85 kounye à nous rive à 3, c'est que l'orga de l'un chiffre net ou car elle pas représentant même, elle représente en pile en termes d'efforts, c'est-à-dire jodi à en moyenne une femme haïtienne fait 3 petites dans vie reproductive. Oui, naturellement me dit en moyenne gagne qu'après fait 6 mais gagne qu'ap fait une tout qu'ap fait 2. Nous dit que ça nous rele prévalence et méthode contraceptive là, c'est-à-dire taux d'utilisation méthode contraceptive, nous sorti de 15% dans les années 95, je dis à nous à 34, mais à 34 là c'est nous qui pis bas dans zone hein? Et objectif ministère de santé publique c'est que nous qu'arriver à 60-70 tant que l'autre pays yo. Donc oui grand progrès, mais oui grand pile travail qui vous fait toujours. Responsable fait qu'on est, il y a continué travail, communication, sensibilisation, éducation pour permettre jeunes contrôler vie, planifier avenir, éviter grossesse non désirée, non faciliter au gain accès à méthode contraceptive et puis choisir méthode qui bon pour eux. Activité ça, c'est occasion tout pour organisateur remettre plaque avec mérite par diverses personnalités pour contribution à engagement dans les affaires promotion santé sexuelle et reproductive dans le pays. Nouveau comité exécutif et Rassemblement démocrate national progressiste RDNP investi dans fonction, cérémonie en déroulé dans local Patia qui dans Delma 49 en présence et plusieurs cadres. Lionel Jean-Louis, Moïse Wilbridge était sous place. Après l'élection Rassemblement démocrate national progressiste RDNP était réalisé dans date 16 d'août passé à nouveau comité exécutif qui était élu dans élection ça investi dans fonction le mercredi 26 d'août là. Actuel secrétaire général parti Eric Jean-Baptiste expliquer renouvellement personnel politique et administratif dans mitan parti c'est un exemple démocratique que toute partie a dû suivre. Secrétaire général tournef RDNP Eric Jean-Baptiste qui conscient de gros défis qu'a tenu dans tête parti pour mettre le travail avec tout membre RDNP pour renforcer stricte politique ça et puis préparer pour élection qu'a venir yo. Président donné RDNP Milan Dipolite Maniga de profiter de l'occasion pour émettre un certificat par chaque membre qui fait partie du comité exécutif tout neuf. Société haïtienne KPD avec yo chat non tête collée avec USAID remettre mercredi 26 septembre l'an prix Ketia Altemani Sorel by meilleur élève pour année académique 2017-2018 là. Dans cadre concours ça, gain 3 élèves qui honoré pour année 2018 là. Yon la dan yo nan niveau secondaire et puis deux l'autre yo nan niveau fondamental. Rodney d'Orléans ak Frenel Toussaint ap di non plus. Samuel Calix qui saute réussi dans examen philo, Williamson Tenelius et Guy Gamael qui saute passé examen 9e année fondamentale, c'est non trois jeunes qui ont handicap visuel qui vivaient décrocher prix Ketia Altemani Sorel pour année académique 2017-2018 là. Pour récompenser Jefo Jeune Sayo, Société Haïtienne Aide ak avec yo CHA en collaboration avec USAID remet yo yon certificat excellence ak yon by chaque catégorie. Docteur Michel Payan, coordonnateur CHA, est présent pour l'occasion. Les jeunes étudiants et élèves déficients visuels de la CHA qui m'ont précédé, tant par leur témoignage que par le prix d'excellence Ketia Altemani Sorel qu'ils ont pu obtenir cette année, constituent
à mes yeux, une illustration vivante de ce qui peut se passer lorsque des personnes, sans aucune distinction, arrivent à avoir accès à la culture, accès à la connaissance, accès aux livres, accès à la lecture. Directeur adjoint USAID dans le pays a félicité gagnant yo et puis renouvelé engagement institution li représente a pour continuer travail avec responsable Chayo. Vous avez beaucoup travaillé, je sais que cette semaine n'était pas facile. Vous n'avez pas tout le matériel qu'il faut, vous n'avez pas tout l'accompagnement que vous allez peut-être souhaiter, mais vous avez quand même réussi dans les écoles générales avec une population des élèves avec capacité différente. Et ça montre à tout le monde, et toutes les caméras doivent tendre vers là aussi. Ça montre à tout le monde que malgré un défi physique, on pourrait réussir. Cérémonie Femti, concours prix Ketia Altemani Sorella, te occasion tout pour coordonnateur Chaha, Dr. Michel Payan, fait un rallye sous thème ministère éducation nationale et formation professionnelle choisi pour année académique 2018-2019 là, qui c'est une éducation inclusive pour une société solide. D'après coordonnateur, autorité concernée supposé mettre campé une politique publique pour permettre thème ça à atterri. Pour nous-mêmes, inclusion scolaire n'est pas capable de faire sans la décentralisation. Il n'est pas normal qu'on ait un monde vive grison garde dans la culture du Nord s'il besoin de l'école et puis c'est au cap haïtien pour aller à l'école. Ce n'est pas sérieux. Il n'est pas normal non plus si on ait un monde vive dans la première section communale de la vallée de Jacques Mel à Musac et il a besoin de l'école et puis c'est Jacques Mel pour aller à l'école. Non! C'est pas correct. Donc, question de décentralisation, son bail fondamental dans le cadre de l'éducation inclusive. Éducation inclusive, là, inclusion scolaire, n'est pas possible non plus sans la formation des maîtres. Prix Ketia Altemani Sorella, c'est un concours qui fait dans l'objectif pour faire promotion scolarisation élèves qui ont handicap visuel, mettre en valeur capacité yo et puis sensibiliser population sous droit du monde qui avec yo gagné dans question l'éducation. Collège canado-haïtien a paré pour célébrer 50 ans d'existence. Li directeur collège là, Frère Nelson Augustin, expliqué établissement scolaire ça déjà formé plusieurs générations femmes et garçons dans pays a et il a continué travail pour renforcer éducation. De l'autre côté, Frère Augustin dit au compte organiser plusieurs activités pour marquer date là pendant le fait appel avec tout ancien élève canado pour venir participer dans festivité. Nous proposons un extrait micro 5 Kwapaki avec Frenel Toussaint. Pendant 50 ans qui sont passés, le Canada fait un peu de chemin, il a formé un peu de génération, nous jouons une génération ça dans tout secteur, dans plusieurs pays à travers le monde, et nous avons un peu qui excellent, qui réussit la vie. Année ça, nous baillons tête nous une année de festivité, côté que nous avons un peu de projet à réaliser pour que dans l'autre demi-siècle, ça nous va entamer, que c'est l'autre Canada avec le slogan de Yankel Kembeli, il était plus haut, il toujours plus fort, il voulait aller toujours plus loin. Là, nous disons plus haut, plus fort, plus loin, ce n'est pas que nous sommes en compétition avec l'autre monde pour nous dire plus haut, passé haut. C'est vos élèves-là qui nous menons pour nous voir plus haut, pour aller plus loin dans la salle café et pour être toujours plus fort parce qu'ils sont des gens qui sont en progrès. Nous sommes un établissement d'excellence, nous voulons qu'il y ait un objectif d'excellence, nous voulons mettre nous à l'avant-garde pour nous capables toujours rendre jeunes adaptés à un monde que la vive la donne. C'est ça sans slogan que nous gagnons. Alors, pour programmation 50e, nous avons tout ancien élève Canada qui a coûté nous là. Quelle que soit la génération, si vous faites quitter, si vous quittez depuis les années 70, venez joindre nous parce que nous avons nous gagnons toute une année d'octobre 2018 à octobre 2019. Nous consacrer 12 mois pour nous faire des activités, pour nous capables de commémorer grandiosement 50 ans.
Et dans la commémoration ça, nous avons des projets ambitieux que nous avons réalisé. Et pour nous réaliser le projet ça, nous avons que ancien là qui l'a gardé nous, sympathisant au monde qui aime belle bagaille qui l'a qui t'a voulu collaborer avec nous, peu importe les gens capables de collaborer à venir, si c'est une entreprise qui a gagné, on voulait supporter nous financièrement, d'accord, si c'est en termes de talent qui a gagné, ou capable de venir mettre expertise à disposition nous. D'abord, bienvenue, nous sommes bien contents d'accueillir tout ancien nous, tous les amis, tous les sympathisants pour capable aider nous réaliser trois grands projets. Nous avons suivi le journal Mitan Journée sur la télévision nationale. Nous avons proposé l'intonène pour le palais international. Président français Emmanuel Macron t'en met en visite qui a duré 4 jours dans le territoire outre-mer. Jeudi 27 septembre, il est déjà arrivé dans le pays Martinique. Betty Raphaël. Emmanuel Macron est arrivé en Martinique ce jeudi. Le président français entame une visite de 4 jours dans les Caraïbes. Il y a un an, il s'était rendu à Saint-Martin et Saint-Barth après le passage de l'ouragan Irma qui avait dévasté la zone. Ce week-end, il doit revenir sur les lieux pour faire le point sur l'avancée de la reconstruction qu'il voulait exemplaire, mais restée partielle jusqu'à présent. Il s'agit de son premier déplacement en tant que chef de l'État en Martinique. Le premier rendez-vous prévu dans les rues de Fort-de-France a été annulé en raison de la tempête Kirk qui arrive sur l'île, placée en vigilance orange. La ville va tourner au ralenti en raison des vents qui devraient souffler à plus de 110 km/h. Accompagné notamment de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Emmanuel Macron doit évoquer un dossier central, celui du chlordécone, un pesticide interdit depuis plus de 40 ans aux États-Unis, mais utilisé dans les plantations d'outre-mer jusqu'en 1993. Cet herbicide est considéré comme un perturbateur endocrinien et comme cancérogène, une substance qui aurait contaminé 9 habitants sur 10 aux Antilles, selon l'Agence Santé publique France, et qui serait responsable d'une explosion des cas de cancer de la prostate dans la région. Vendredi, Emmanuel Macron est attendu en Guadeloupe pour évoquer les difficultés d'alimentation en eau potable, mais aussi les algues sargasses qui ont envahi les plages de l'île. Bienvenue dans la page Sport. Pablo Lacaille, funérailles ancien joueur Aigle Noir avec sélection haïtienne football là. Rosemont Pierre a chanté samedi 29 septembre 2018 dans la cathédrale Port-au-Prince à 8h dans matin. Et puis l'autre bord de l'eau, championnat d'Espagne, première défaite pour Barcelone à Real Madrid depuis la saison a commencé. Barcelone perdu devant Leganés 2-1. Alors que Real Madrid perdu devant FC Séville 3-0. Gérard Junior Joseph pour plus de détails. Funérailles Rosemont Pierre, ancien joueur avec le Noir Athletic Club avec sélection haïtienne football là, a fait journée samedi 29 septembre 2018 là dans l'église cathédrale Port-au-Prince à 8h du matin. Dans même circonstance ça, Fédération haïtienne football FHF a organisé un soirée hommage dans le stade Vieux-Quator à 5h pour 8h dans la nuit journée vendredi 28 septembre là. Et de l'autre côté, sous initiative, ancien sélectionneur PIA, Enzo Jean-Baptiste et Guito Célestin, plusieurs matchs gala a organisé dans le parc La Paix d'Elma 2, toujours samedi 29 septembre. Mais différents matchs cap fait pour rendre Ti Rosemont, ancien entraîneur Real du Cap, un dernier hommage. À 4h dans l'après-midi, U15 Ti Rosemont face BLR FC, FC Chana, Jaco Football Passion. À 6h dans Assouet, Aigle Noir All Stars pour rencontrer l'équipe Copa. Madame, Monsieur, le journal là arrivé dans Boutli. Merci à vous-même qui t'a suivi. Merci à tout le monde qui t'a rendu édition journal ça possible. Nous souhaitons bonne journée sur Télévision Nationale. Rendez-vous à soir à 7h au grand journal.